Cela fait plusieurs années que Cyril Hanouna est à la tête de l'émission Touche pas à mon poste, diffusée sur C8. Dans celle-ci, il n'hésite pas à évoquer la vie privée de ses chroniqueurs mais est souvent très réticent lorsqu'il s'agit de parler de la sienne. Ce mardi 21 juin, à quelques jours de la fin de la saison, l'animateur a fait une révélation très inattendue, qui a débouché sur une discussion assez gênante. Deux à la fesse molle, a lancé Cyril Hanouna à son chroniqueur qui a souhaité lui toucher les fesses à son tour. Alors que Mathieu Delormeau affirme que l'animateur contracte son fessier, le principal concerné lui répond qu'il a mal. Ce matin, j'étais en entraînement, j'ai vraiment une douleur. À l'anus, indique-t-il avant d'apporter des précisions, j'ai sauté et j'ai vraiment mal. Je te le jure que si est-il vrai. De son côté, Mathieu Delormeau cesse rapidement improvisé médecin et il a déclaré qu'il s'agit d'un déchirement anal. Il a dû être pris à froid alors qu'il faut le chauffer. Une décision à laquelle le public et les téléspectateurs ne s'attendaient pas. Sur le plateau de son émission, Cyril Hanouna est bien décidé à obtenir des réponses à ses questions. Inquiet, il continue son explication, assurant avoir cherché le numéro de SOS Anus. Une petite blague qui a fait rire le public et à laquelle il a souhaité ajouter, sans blaguer, est-ce que ça arrive, le déchirement anal? Ce à quoi Mathieu Delormeau a rapidement affirmé, mais oui. Il faut mettre une petite crème anti-inflammatoire et tu masses. Et tu n'utilises plus cette zone autrement, lui a-t-il expliqué avant de mimer le geste. Voulant être sûr qu'il fait les choses correctement, Cyril Hanouna se penche et montre l'endroit exact où il a mal. Je pense que si est-il parce que vous faites beaucoup de sport en ce moment, vous avez augmenté vos cadences donc il faut faire attention, lance Géraldine Maillet. Alors que la discussion semblait devenir plus sérieuse, Mathieu Delormeau s'est amusé à nouveau. Vous ne l'avez utilisé pour rien d'autre? Demande-t-il avant de conseiller à l'animateur de se reposer. Cyril Hanouna a pris en compte les conseils et a remercié ses chroniqueurs pour leur aide. Toutefois, il n'a pas hésité à évoquer son problème durant le reste de l'émission et notamment lorsqu'il a reçu un expert en nutrition. Douleur de Cyril Hanouna, qu'ont pensé les téléspectateurs? Cette séquence était très inattendue pour les téléspectateurs de l'émission. Nombreux sont ceux qui ont donné leur opinion sur les réseaux sociaux et celle-ci n'était pas toujours tendre. Si est-il bon stop, on ne va pas faire une heure sur l'anus de Cyril, a écrit l'un d'entre eux. Il ne peut pas parler de ses problèmes d'anus en coulisses. Là ça devient gênant, affirme un autre. Pour un utilisateur, le fait que Cyril Hanouna passe beaucoup de temps sur cette blague fait qu'il doit accélérer sur les sujets à la fin pour que tout rentre dans l'émission, regrette-t-il. Si l'animateur était bien décidé à évoquer son problème, celui-ci n'a pas été du goût de tout le monde.